Je vais t'embrasser pendant la pub, mais avec la langue. Non, non, c'est Et je sais qu'il y a certains chroniqueurs qui ont écrit une lettre à quelqu'un qui leur était cher. Qui veut en lire une? Qui, voilà, par exemple, Gilles, vous avez écrit à Fatou? J'ai écrit une lettre à Fatou, oui. Allez. Fatou. Elle n'est pas là, hein, tu ouais, la regardes. C'est pas Sophie d'avant. Hein. J'aime ton prénom. Donc c'est sa fiancée. J'aime son ex. Qui l'a largué. Bah, qui vient de larguer. Je pas tout à fait là, encore. C'est sa fiancée qui l'a largué. C'est plus sa fiancée. C'est une lettre pour la récupérer. Ah d'accord. La récupérer. Alors, on va voir. Je vous regarde, vous, comme si vous étiez Fatou. Ok. Fatou, j'aime ton prénom, j'aime tes mots, j'aime ton âme, j'aime ton corps, j'aime tes regards et même tes absences. Je les aime car elles renforcent mon amour. Mais c'est ton cœur qui m'embrase. J'aime la vie avec toi car sans toi, ce n'est pas la vie. C'est un désert où même le sable se fossilise. Alors il y a Fatou qui dit, moi j'aime quand tu fermes ta gueule. Ça rigolait. Tiens, Isabelle, c'est pour ton mari. Oui, alors ça va le surprendre parce que je suis pas romantique. Hein. Ah, pour donc, le mari, regardez, elle a écrit une lettre à son mari, Alain. Oui, à toi, mon homme, que j'aime parce que nous avons réussi à être presque vieux sans être complètement adultes, parce que nous avons si peu vu passer le temps que nous avons encore nos meubles d'étudiants. Parce que nous faisons toujours l'amour et l'humour, et surtout parce que nous rions toujours ensemble entre deux engueulades et trois drames. Alors oui, Alain, comme dit l'autre, je t'aime plus qu'hier et moins que demain. Alors, bravo. C'est beau. Ah, on a un tweet. Il y en a un tweet d'Alain qui dit qui est cette personne. Alors, on a. Tiens, allez, on va demander à. Allez, à Raymond. Bon, Raymond. Hein? Moi, c'est les personnes. Alors, les personnes qu'on aime, les personnes qui. J'en avais plein, parce qu'il m'arrivait plein de choses ces dernières années. J'en avais plein, mais je vais quand même prendre mes enfants, en fait. Parce que j'ai deux enfants formidables. Tristan, je suis fier de toi. Tu fais tout ce que je ne fais pas. Tu travailles bien à l'école, tu fais des études de chimie, tu m'as scotché. Donc, tu m'aides tous les jours à tenir debout et à me battre pour vous. Audrey, tu fais aussi des études formidables et je t'aime, ma fille, malgré ton parcours. Je t'aime beaucoup et je veux que tu continues aussi tes études. En ce moment, je ne vous vois pas beaucoup parce que je pars très tôt et je rentre très tard. Mais on va prendre du temps ensemble. Et voilà, je voulais juste dire à mes enfants que je les aime très, très fort. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Bon, Raymond d'amour, mon frérot. Ça, c'est mon frérot. Je l'aime, mes gosses. Attends, pars pas du tout. Je t'aime, je t'aime. Ça, c'est là, ça, c'est... Allez, Jean-Mi ou Mathieu, et après j'aurai une lettre pour ça. Moi j'ai écrit un poème, mais... Ah oui bah, il va être... Allez-y, après on fera Jean-Mi, allez-y. Mais moi je pleure vite. Mais il est pour mon ami Jean-Mi. Ah, il est ému. Parce que c'est vraiment un ami. Alors c'est ridicule. Cher Jean-Mi, une poésie à mon niveau littéraire, c'est dire si c'est faible. Sans me juger dès le début dans tes PMP, tu m'as accepté. Ta culture, tu as su un peu me l'inculquer. Chaque semaine, c'est toi, c'est avec des sushis qu'on a dîné, c'est vrai. Quand je pétais un plomb seul, toi, ça avait me calmé. Quand j'étais triste l'année dernière, dans ta chambre d'amis, un lit, tu dépliais. De mes amis aujourd'hui, tu es le pilier. Alors merci d'être mon meilleur ami et pas que dans tes PMP. Oh, c'est mignon. Franchement, pas mal. Sophie, c'est beau. Franchement, je suis sûr que vous adorez cette séquence. Là, elle me fait plaisir, cette séquence. Vraiment. C'est tellement merveilleux et qui. Il se dévalorise dans l'émission en faisant croire qu'il est radin, qu'il n'est pas sensible, alors que c'est un être qui est tout en sensibilité, que je l'adore évidemment. C'est vrai. Mon Jean-Mi, t'as une lettre toi? Ou une petite lettre face caméra. C'est pour mon Mathieu? Non. Mais il sait tout ce que le bien que je pense de lui. On se voit ce soir. On dit ensemble ce soir. Tu me vois tellement que tu ne me regardes plus, pourtant moi je n'ai Dieu que pour toi. Si je travaillais moins, je passerais mes journées à te mater en replay, à écouter tes paroles qui couleraient dans ma gorge comme du bon miel. Je serai toujours là pour toi, je t'aime Cyril. Oh. Ah oui, 10 ans tous les jours, je vois plus que mes enfants. Ah, ça me fait plaisir. Franchement, voilà. Ça me fait plaisir. Je vais t'embrasser pendant la pub. Mais avec la langue. Non, je vais l'embrasser. J'ai envie d'embrasser Mathieu pour le remercier. Oui, c'est vrai que. Non, mais parce que j'ai peur du coronavirus. Merci.